Allez, c'est parti. Il est 7h du mat. On est en début de montante et on va essayer de pêcher au stick. Et ben voilà, la mouette qui a failli choper mon leurre de surface quoi. J'aurais été beau là. Je crois que je vais me casser. Je vais me casser, je pense. Pas évident que je suis ici. Bon, apparemment, la mer est calme et les barres font dodo. Du coup, je décide de revenir l'après-midi pour une pêche un peu plus ludique qui plaît beaucoup aux enfants. Allez, c'est parti pour une petite pêche du gobi dans les cailloux. Gobies en général, ils se planquent derrière les caillasses. Il va falloir les trouver. Allez, viens, on va essayer de trouver des jolis trous là. Hop là, décroché. Alors c'est le poisson, hein, il s'est un peu taré. En général, quand ils attaquent une fois, ils y reviennent. Hop. Et deux. Alors, j'en ai pêché pas mal avant, hein, mais j'avais pas pris la caméra. Hop là. Hop, raté. Allez, il m'a pris la pas lui. Alors, au niveau du montage, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pris un petit hameçon, une petite chevrotine, le tout monté directement sur ma ligne pour la pêche au bar. Comme ça, j'ai même pas à refaire la ligne. Hop. Ensuite, un bigorneau. Et voilà. Donc c'est un peu barbare, hein, mais avec un bigorneau, on fait 10 poissons à peu près. Là, s'il y en a pas un derrière, là, dans le petit trou là. Caché sous les rochers. Oh, là-bas il y a du gros là. Petit, petit, petit. Oh, là il y en a un balèze. Il y va, il y va, il y va. Il y est. Hop là. Et voilà. Un joli gobise. Magnifique ce poisson avec sa dégaine de poisson préhistorique. Et un sacré prédateur parce que il sort de sous les cailloux comme une balle. Moi j'aimerais pas être une crevette. Hein. Allez. La fin d'après-midi approche et je vais tenter les gobies au leurre.
Allez, c'est parti pour une petite session rock fishing en bord de mer, à côté d'une plage. Tranquillou. On va aller voir s'il n'y a pas des petits poissons qui se cachent entre les cailloux. Alors là, je vais pêcher fin, hein. Je suis parti sur une tête plombée de 1 gramme. 23 centièmes parce que j'avais pas plus faim aujourd'hui. Et un petit leurre souple jaune. Au niveau de la couleur, je suis pas trop sûr, mais on va essayer. Alors, les gobies sont bien là, hein. Mais il semblerait que le leurre est trop gros ou la tête plombée. Le problème, c'est que j'ai pas pris plus petit. J'ai pas trop anticipé là sur ce coup-là. Il va falloir essayer de trouver une solution avec ce que j'ai. On va essayer un truc bien flashy là, on va essayer du rose. Allez, les fameux rings rose en version 1 pouce. Premier poisson. Hop. Un joli gobi. Oh, rings rose. Allez. Ah, des sacrés dents, hein. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Allez, deuxième touche dans le même trou. Allez, essayez de filmer. Allez, là c'est un crabe maintenant. Alors les crabes, c'est gentil, mais ça coupe les leurres. Alors ouais, visiblement le rose, ça les énerve bien. Hein. Là il y en a un dans le trou mais ça m'énerve un peu là. Ouh là là, petite touche. On va attendre un peu. Alors c'est pas compliqué comme pêche, hein. Ça s'apparente un petit peu à de la pêche au toc. Il suffit de mettre le leurre au bon endroit avec une présentation assez propre. Et paf. Un direct de la pêche aux gobies. Donc là, on est sur le plus gros spécimen de la session. Attention, ça déménage. Ça rentre dans le seau, mais c'est un peu juste. La taille moyenne des poissons étant plutôt petite, c'est vrai que pour cette fois-ci, les appâts naturels semblent plus efficaces. Les barres se font discrets aujourd'hui, mais ça m'a permis d'aborder cette nouvelle technique parce que la pêche du gobies est vraiment très intéressante et surtout avec des enfants.